Ces dernières années, de nouvelles formes d'emploi ont vu le jour, et parmi elles, ce qu'on appelle le micro-travail. Cette pratique est complètement dématérialisée et se fait par l'intermédiaire de plateformes internet, dont la plus connue est Mechanical Turk, créée par le groupe Amazon en 2005. On y propose d'effectuer des micro-tâches, récupérer des numéros de téléphone, commenter des vidéos, rédiger un article. Le plus souvent, les clients sont des entreprises qui veulent sous-traiter des tâches simples mais impossibles à automatiser. Celles-ci sont alors divisées en milliers de micro-tâches et proposées sur la plateforme à des travailleurs anonymes. Le souci, c'est que le statut de ces travailleurs est précaire. Pas de droits, d'horaires précis, de protection, d'encadrement et des salaires minuscules payés à la tâche et soumis à une concurrence mondiale. Pourtant, cette pratique a indéniablement du succès. Elle concerne 90 millions de travailleurs dans le monde et pourrait générer 25 milliards de dollars d'ici à 2020. Mais il y a un petit détail, presque toutes ces micro-tâches sont consacrées à créer ou à récolter des informations qui s'ajoutent au big data, la titanesque somme de données numériques produites dans le monde au quotidien. Ces informations servent à l'apprentissage des algorithmes des intelligences artificielles. C'est de cette manière que les machines améliorent leurs résultats, jusqu'à devenir autant, voire plus efficaces que les humains, et à pouvoir les remplacer dans un nombre de domaines grandissant, accélérant la précarisation et la destruction de l'emploi.